Je pense que les coureurs français on prennent leur temps et à un moment donné ça va sourire. On l'a vu dans le Tour de France qui s'est passé. Ils ont commencé quand même gagné 6 étapes. Ça faisait longtemps, longtemps, longtemps que c'était plus arrivé. Et je pense que la persévérance des coureurs français, des équipes françaises va payer à un moment donné. Et on le voit sur le début de saison, comme par hasard, les Français sont vraiment présents. Et bon, ça m'étonne pas de voir un David Moncoutier s'imposer au sommet du Pharaon, parce que c'est des coureurs talentueux, même s'il a 35 ans. La France est un pays dont le vélo est très populaire. Et forcément, il y a des jeunes qui ont faim, parce qu'il faut avoir faim pour réussir, et qui ont peur de rien. Et c'est un peu vers ça que je pense qu'on verra des coureurs français. Ça m'étonne pas de voir Feuillu gagner 3 étapes sur le Tour Med. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai vu au Tour de France, j'ai vu que c'était un jeune qui avait envie de mordre, quoi. Donc ben ça, c'est clair que quelques temps après, ben il y a quelque chose qui se passe. Bon, pour Thomas Vauclair, c'est quelqu'un aussi qui va à l'avant, donc d'en gagner une, c'est normal. Et pour celui qui a gagné le classement général, qui est Moncoutier, ben, je le connais très bien, David Moncoutier. Mais comme lui, si c'est un coureur qui se prépare vraiment pour le Tour de France, bon, ça sera compliqué pour le classement général. Pour la montagne. Mais pour la montagne, il peut faire des shows. Le problème, le baromètre, c'est le Tour de France. Et les coureurs français, ils l'oublient un peu. C'est-à-dire que quand ils sont en début de saison, ils ouvrent les gaz et ils lâchent tout. Et il Ils y le en a payent par tant dessus. de coureurs français qui pourraient vraiment. Après, il faut les persuader de ça, mais préparer un objectif, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, on hypothèque sa saison sur le tour, on peut passer à travers Il et ne faut pas se avoir. manquer. Faut pas se manquer. Il faut que l'équipe aussi vous mette dans ce contexte-là, vous fasse confiance. Donc, les coureurs français, à mon avis, ils sont obligés d'être un peu partout et voilà. Mais après, il faut avoir aussi une force de caractère et de dire je Le peux et je vais y potentiel. arriver. Mais je crois qu'il y a des coureurs français qui ont les moyens de flirter avec les 5 places du podium, du tour. Après, ben, il faut le temps au Laisser. temps, mais ça arrivera dans, je pense, dans les 5 à 8 ans, je pense que ça arrivera.